Alors bonjour et bienvenue à ces premières portes ouvertes virtuelles de l'Université de Montréal. Mon nom est Angélique, je travaille pour la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal et j'ai le grand plaisir d'animer cette conférence aujourd'hui. Donc on parle de sociologie, comprendre la société pour mieux agir, nul autre que Barbara Thériault, professeure au département de sociologie et responsable des programmes de premier cycle. Pour en parler, Barbara ne sera pas seule, elle est accompagnée de deux autres personnes, Alexandre Legault, qui est doctorant en sociologie, et Jules Pector Lallemand, qui est étudiant à la maîtrise en sociologie. Juste avant de leur céder la parole, on se donne quelques petites règles du jeu pour cette conférence. Sachez que vos micros seront désactivés au courant de la conférence. Vous avez un petit module Q et R, donc les questions-réponses où vous pouvez poser vos questions auxquelles nous tenterons de répondre à la fin de la conférence. On se garde un 15 à 20 minutes pour la période de questions-réponses. Sachez que si jamais il y a un grand volume de questions-réponses, nous ne serons pas en mesure d'y répondre au cours de cette conférence, mais toutefois j'ai une bonne nouvelle pour vous. Les portes ouvertes sont jusqu'à 16h et à 15h, vous pouvez vous rendre dans la petite section du département de sociologie, il y aura un Zoom donc, où il y aura Barbara qui pourra répondre à vos questions accompagnée d'une étudiante. Sans plus attendre, je lance la conférence. Barbara, la parole est à vous. Bonne conférence à toutes et à tous. Bonjour Angélique, merci pour l'introduction. Salut Jules, salut Alexandre. Bonjour vous tous intéressés par la sociologie. On a un PowerPoint, ça va nous servir de point de départ, mais donc c'est un point de départ qui va nous permettre d'ajouter aussi d'éléments. Et puis j'invite Jules et Alexandre à aussi intervenir et discuter de certains points vraiment un peu formels pour présenter le département. Peut-être qu'Angélique, vous pouvez partir déjà de la présentation, s'il vous plaît. Ça prend un peu de temps, mais je peux commencer à parler. Alors, le département de sociologie de l'Université de Montréal existe depuis 1955, comme les autres départements de sciences sociales au Québec. La sociologie voit naissance au début, principalement au début du 20e siècle, à la fin du 19e, début du 20e siècle. Et en Amérique du Nord, c'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale qu'on va voir émerger la sociologie comme discipline scientifique. Et c'est pour ça, en 1955, avec aussi une forme de sécularisation des universités, on voit aussi apparaître la sociologie. Alors, vous avez déjà dans les objectifs du programme, il y a au département, on offre le baccalauréat, la maîtrise et le doctorat en sociologie. Je vais vous parler aujourd'hui principalement du baccalauréat, mais sachez que beaucoup d'étudiants qui ont terminé avec succès le baccalauréat vont aller à la maîtrise. Et là, avec Jules et Alexandre, vous avez deux bons exemples. Qu'est-ce qu'on fait dans un baccalauréat en sociologie? Il y a des cours obligatoires, il y a des cours à option, il y a des cours dont vous pouvez choisir. Mais les grandes qualités d'un sociologue formé à l'Université de Montréal, c'est d'avoir un fondement théorique assez large et puis de développer des compétences méthodologiques. Et ça, c'est autant des méthodes qualitatives que quantitatives. Et ça, je dirais, c'est... Il y a d'autres départements de sociologie dans d'autres universités ailleurs dans le monde, même à Montréal. Et qu'est-ce qui fait peut-être la spécificité du département de sociologie de l'Université de Montréal? C'est peut-être cet accent sur les méthodes qui sont aussi importantes pour trouver du travail aussi après. On peut être sociologue de multiples façons, travailler dans plein de milieux, mais ces compétences méthodologiques sont recherchées spécifiquement chez les sociologues. Ça, c'est quelque chose d'important. On parle aussi d'aiguiser son esprit critique, ça c'est quelque chose de fondamental, mais pas seulement propre à la sociologie, c'est propre aux humanités, aux sciences sociales en général. Ça passe par beaucoup de lectures et ça passe aussi par l'écrit. Et peut-être que mes collègues Alexandre et Jules pourront compléter là-dessus, mais qu'est-ce qui se passe au département de sociologie par rapport à même à ceux d'entre vous qui vont choisir le programme bidisciplinaire sociologie et psychologie, parce que ça existe aussi, c'est un programme qui est administré au département de sociologie. Les étudiants nous disent beaucoup que dans les cours de sociologie, on doit écrire beaucoup. Donc, c'est un investissement, il faut observer, il faut lire, et puis il faut aussi, ça demande beaucoup d'écrire. Et les étudiants qui terminent le bac, ça fait aussi une des forces, je pense, de notre discipline, savent bien écrire, penser de façon synthétique, analyser,
bien observer. Pour moi, l'observation, c'est quelque chose de très important. Et puis, une autre chose peut-être particulière déjà que je mentionne pour le département de sociologie, c'est la possibilité, on va y revenir, de faire des stages, des laboratoires, et aussi, on a un cheminement international. C'est-à-dire que quand vous commencez votre baccalauréat, vous avez la formation fondamentale qui est propre à tous les étudiants. Et plus ça va, plus vous avez une possibilité de choisir, quand vous connaissez la discipline, les champs principaux qui vous intéressent. Et après, vous pouvez décider d'aller étudier à l'étranger un semestre, une année. Vous pouvez décider de faire un stage en milieu de travail, en milieu de recherche. Vous pouvez décider de travailler avec un professeur pour vous préparer à la maîtrise. Donc ça, c'est toutes des choses qui sont possibles, qui s'offrent aux étudiants de sociologie. Donc là, on a déjà une autre acétate sur le programme. Ça, c'est une information qui vaut pour presque tous les programmes à l'Université de Montréal. Le baccalauréat spécialisé, c'est 90 crédits, ça veut dire 30 cours. Donc, environ dans 10 cours par année. Il y a des étudiants qui font... un semestre normal, ce serait 5 cours... 5 cours par trimestre, mais on peut être inscrit à temps plein aussi avec 4 cours par trimestre et on peut aussi décider de prendre des cours l'été. Il y a d'autres possibilités qui s'offrent à vous. Vous avez la possibilité de faire une majeure et une mineure qui va être à la fin, va vous donner un bac, mais c'est un bac qui est constitué un peu plus à la carte selon vos intérêts. Donc, c'est une majeure, c'est 20 cours, 60 crédits, que vous allez compléter avec une mineure dans une autre discipline. Donc, vous pouvez décider de faire une majeure en sociologie avec une mineure en journaliste ou faire une mineure en sociologie avec une majeure en criminologie, par exemple. Et c'est toutes des choses qui s'avèrent possibles. Le programme psychologie-sociologie, qui est assez populaire chez nous, c'est aussi un programme de 90 degrés. Et c'est un programme qui met ensemble deux baccalauréats, en fait. Deux mini-baccalauréats. Donc, c'est un programme avec plus de cours obligatoires. Et donc, ce n'est pas possible de faire une majeure et une mineure. On fait tout le baccalauréat quand on décide de faire un baccalauréat bidisciplinaire psychologie-sociologie. Donc, vous avez des cours en psychologie et des cours en sociologie. Et ça implique que vous faites pas mal tous les cours d'introduction, les cours obligatoires. Et vous avez encore un petit peu de temps pour faire peut-être un stage ou faire des cours optionnels. Ça, ce serait pour cette acétate-là. D'accord. Alors, ça, vous voyez que les spécificités que j'ai élaborées du programme de l'Université de Montréal. Donc, l'important de ce qui tient à cœur aux professeurs et aux membres étudiants, c'est une formation fondamentale avec des expériences pratiques, avec des méthodes. Une formation solide en méthode. Vous avez possibilité de faire un cheminement international qui implique certains cours, qui implique d'apprendre des langues. On favorise évidemment l'apprentissage des langues étrangères, qui vous donne la possibilité de faire un stage à l'étranger ou un semestre ou une année d'études à l'étranger. Qu'est-ce qui est aussi assez important, je voulais le mentionner aussi dès le départ, parce que je pense que c'est vraiment fondamental, constitutif de l'identité du département de sociologie de l'Université de Montréal, c'est que les étudiants sont vraiment impliqués dans la vie départementale. Donc, le département, ce n'est pas juste les professeurs, c'est aussi, il y a des chargés de cours, il y a des employés de soutien, et il y a les étudiants en premier plan, et les étudiants ont leur mot à dire dans la vie départementale, et quand on a des réunions de professeurs, on a des comités, les étudiants sont toujours là, les représentants des associations étudiantes, mais pas seulement. Et ça, ça fait partie de... C'est pas dans tous les départements de sociologie, c'est pas dans tous les départements, dans d'autres disciplines qu'on retrouve une telle implication étudiante. Moi, j'en suis très fière. La sociologie, c'est une discipline large, hein, pour le meilleur et pour le pire. Hein. Et une discipline large, ça veut dire que c'est parfois un tremplin pour aller étudier dans d'autres domaines. Hein. C'est aussi parce que la sociologie, il faut vraiment, si je voudrais valoriser la discipline, c'est que la sociologie, c'est une science fondamentale, un peu comme la philosophie, mais à d'autres égards. La sociologie ouvre des portes, donne des méthodes à d'autres disciplines comme la science politique, l'anthropologie aussi, partage des méthodes avec la démographie, l'anthropologie, avec l'histoire aussi. Et donc ça, c'est une formation générale qui ouvre la porte à des études plus spécialisées en sociologie ou créer des ponts avec d'autres disciplines en sciences sociales. Et ça aussi, ça me semble quelque chose d'important à mentionner. La sociologie traite des thèmes d'actualité, oui,
C'est vrai, elle traite, vous avez toute une série d'exemples sur le PowerPoint, mais elle traite aussi, la sociologie, c'est la science du monde moderne, c'est pas juste la science du monde d'aujourd'hui, de l'actualité. On traite l'actualité pour les sociologues, c'est depuis la Renaissance jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a des collègues qui vont travailler dans une perspective davantage historique, mais avec des outils de sociologue, ça se fait aussi très bien. Donc, quand on parle d'une science contemporaine, oui, mais c'est l'étude du monde contemporain, mais le monde contemporain, c'est pas juste aujourd'hui. Donc, c'est une période beaucoup plus large. Et au département de sociologie, on a des collègues qui travaillent, des groupes de recherche dans vraiment, vraiment beaucoup de domaines, l'environnement, les peuples autochtones, la religion, l'intelligence artificielle, l'immigration. Et là, peut-être que ce serait le temps de passer à l'autre acétate, parce que là, on voit un peu la structure du programme, mais aussi la structure du programme qui repose sur 5 orientations et aussi sur le travail des étudiants qui sont au cycle supérieur et de mes collègues professeurs. Vous voyez que quand vous rentrez au département, vous pouvez faire, dès le départ ou un petit peu plus tard, vous pouvez choisir une orientation, ce qui va indiquer un certain choix de cours, que vous aimez, une certaine orientation qui vous plaît davantage, que vous trouvez importante. Il y en a 5. Sociologie fondamentale, relations ethniques, études des populations, c'est la démographie plutôt, santé et société, donc santé, féminisme, genre et sexualité. Et ça, c'est assez intéressant. Je vous dis que donc, longtemps, il y a eu 4 orientations et il y a 2 ans, on a intégré une 5e option, orientation qui est féministe, genre et sexualité. Et ça, c'était aussi à la demande des étudiantes et des étudiants qui trouvaient nécessaire d'aborder ces questions. Et là, vous voyez encore l'importance des étudiants dans la vie départementale, parce que sans eux, on aurait peut-être eu cette orientation, mais peut-être un peu plus tard. Donc, ils ont joué un rôle actif dans la formation de cette structuration du programme. Et on a des collègues qui travaillent en santé, en démographie, en relations ethniques, immigration et racisme, en question de genre et sexualité au département. On pourrait peut-être passer à l'autre acétate. Là, vous voyez, la grande question quand on fait les portes ouvertes, en tant que responsable du premier cycle, j'ai fait souvent des portes ouvertes. Les futurs étudiantes, étudiants viennent avec leurs parents, parfois avec ou sans leurs parents. Ça aussi, c'est une question sociologique qu'on pourrait étudier. Et ils se disent, qu'est-ce qu'on fait avec la sociologie? Parce que la sociologie, c'est pas, il n'y a pas un ordre comme les psychologues qui nous dit, vous êtes sociologue. On est sociologue parce qu'on a un bac en sociologie. Et là, vous avez une série d'organisations où on retrouve des sociologues. Mais j'ai aussi ma propre petite liste, puisque je suis professeure depuis assez longtemps au département de sociologie. Et qu'est-ce que je trouve le plus éclairant? Je vais vous donner en une minute des noms de mes anciens étudiants puis vous dire qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, d'accord? Donc, un de ces étudiants s'appelle Olivier, qui a écrit... c'est tous des étudiants qui ont fait une maîtrise, qui a fait une maîtrise sur l'alimentation au Québec. Maintenant, il est directeur d'une coopérative alimentaire à Rimouski. Sébastien, qui avait fait un travail de maîtrise sur les intellectuels en Europe de l'Est, vous voyez un thème totalement différent, est maintenant directeur de recherche dans une firme de sondage. Kevin, qui avait travaillé aussi avec moi sur les intellectuels pendant la République de Weimar, est professeur au Cégep. Dania, une autre étudiante qui avait travaillé avec moi sur la diversité au sein des services de police de la ville de Montréal, est aussi professeure au Cégep. Edith, qui avait travaillé sur la communauté turque de Parc Extension, est maintenant conseillère dans un organisme communautaire. Rosalie, une étudiante qui avait travaillé sur la sociologie des humanistes, donc sur le 15e, 16e siècle, est maintenant traductrice. Alexandre, qui a travaillé sur la musique actuelle, est maintenant professeur au Japon. Gabriella, qui avait travaillé sur les places publiques en Roumanie, est maintenant chercheur dans un centre sur la radicalisation. Louis-Philippe, je pourrais continuer la liste vraiment longtemps, là, mais je vous en donne 2 autres, qui a travaillé sur Max Weber, un des classiques de la sociologie et de la politique, et maintenant membre d'un cabinet, conseiller dans un cabinet ministériel. Dave, qui a travaillé sur le nationalisme en Flandre, est maintenant chercheur à l'Institut de santé publique du Québec. Et Alexandre, qui est ici, a aussi travaillé dans les archives de Laval, aussi en tant que sociologue. Donc ça, c'est pour vous donner un peu l'étendue. Et puis, j'aimerais aussi vous dire qu'il y a une image, peut-être parfois un peu négative associée à la sociologie, comme qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Mais les étudiants travaillent et gagnent bien leur vie. Donc, il y a eu des enquêtes qui ont été faites
sur le, que sont devenus nos étudiants. Et ce n'est pas juste donc, ceux qui ont travaillé avec moi, mais les étudiants, surtout avec une maîtrise, gagnent bien leur vie et travaillent dans des milieux variés. Donc, c'est pas, ils trouvent du travail rapidement. Ce n'est pas une discipline qui mènerait au chômage, quoi que ce soit. Donc là, vous voyez quelques exemples. Et pour terminer, j'ai une dernière acétate. Et là, j'inviterai peut-être mes collègues à en parler parce qu'au département de sociologie, on fait aussi... Une des caractéristiques du département, c'est qu'on fait des belles choses. Et là, ça, c'est une belle chose que j'aimerais partager, que nous aimerions partager avec vous. Je ne sais pas si Jules ou Alexandre voudraient parler en premier. Oui, je peux y aller. Mm-hmm. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Dans le fond, Alexandre, Barbara et moi, il y a à peine 7 semaines, on vient de lancer un magazine grand public de sociologie. Donc, ça, c'est pas directement lié à notre parcours scolaire, à Alexandre et moi. Mais, tu sais, la caractéristique du département à l'UDEM, c'est que c'est un petit département de sociologie. Il y a peut-être deux fois moins d'étudiants que dans d'autres universités montréalaises. Ce qui fait qu'il y a vraiment une proximité. Les étudiants, on connaît tous les professeurs. On les croise dans les corridors, on a des discussions avec eux, puis c'est ça, avec Barbara, tu sais, on est devenus un peu des collègues de travail, puis là, on a ce projet-là qui est un beau magazine, puis l'idée, c'est juste d'essayer de rendre la sociologie plus accessible, parce que, comme Barbara disait, on écrit beaucoup dans notre formation en sociologie, puis... D'ailleurs, les étudiants de Barbara ont un souci particulier pour l'écriture. Ça, c'est quelque chose de vraiment particulier à l'UDM. C'est que des fois, ça peut être difficile. Ça peut. Des fois, on se casse la tête à lire de la sociologie, mais à l'UDM, dans le petit groupe de recherche de Barbara, on a ce souci-là de rendre la sociologie plus accessible. Je ne sais pas si c'était clair. Merci. Alexandre, tu rajoutes quelque chose? Oui, juste pour en dire un peu plus là, sur, mettons, l'esprit du magazine, parce que c'est moi, Jules et Barbara qui avons fondé ce magazine-là, puis c'est dans l'esprit de ce qu'on faisait ensemble au département, nos recherches, tout ça, puis en essayant de vouloir rendre la sociologie plus accessible, rejoindre un plus grand public. Donc, pour dire l'esprit du magazine, c'est que c'est un magazine qui est susceptible à la fois d'inspirer les sociologues dans leurs recherches, en stimulant un peu l'imagination sociologique, la réflexivité, mais aussi de que, dans le fond, la plupart des gens peuvent juste le lire. Là, je pense souvent que, admettons, ma mère est capable de lire de la sociologie, puis pour nous, c'est vraiment quelque chose de très valorisant. C'est dans les objectifs qu'on se donne. Alors, c'est pas mal ça. Donc, si vous voulez en savoir plus, allez... on vient de donner le lien Internet sur l'Esprit libre. Allez voir ça. C'est super beau, c'est super intéressant. Merci. Angélique, on est en plein dans les temps, non? Oui, tout à fait. On est tout à fait dans les temps. Il est 12h35. On a encore à peu près 25 minutes. Donc, je rappelle, merci beaucoup pour cette conférence inspirante et évidemment la présentation de ce magazine SIGI. Donc, je rappelle aux participants et aux participantes qu'ils peuvent poser leurs questions via le QR que vous voyez. Donc, les questions-réponses. Je crois qu'on a quelques premières questions. Alors, sans plus attendre, je vais regarder les questions qui me sont transférées. Je n'ai pas mes lunettes, excusez-moi, je vais les mettre. Ça va être un petit peu plus facile quand on est devant l'écran. Donc, on a quelqu'un qui nous dit « Bonjour, je veux me lancer dans la sociologie pour ensuite me lancer dans la psychologie. Pour changer, dois-je obtenir mon baccalauréat en sociologie ou est-ce que je peux changer après un an de sociologie? » Oui, vous pouvez changer... vous pouvez bien sûr changer après un an. Vous pouvez. Donc, j'imagine que vous aimeriez rentrer. La question, c'est. L'intérêt de départ, c'est que vous voulez étudier en psychologie. Vous n'avez peut-être pas les notes pour le faire et vous voulez faire un an de sociologie, remonter vos notes et passer en psychologie. C'est tout à fait possible. Ce n'est pas nécessaire d'avoir tout le bac. Hein. Parfait, merci pour cette réponse, Barbara. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions. Un gros merci de la personne qui a posé la question, d'ailleurs. Je vous transmets ce merci-là. Pas d'autres questions pour le moment. Alors, peut-être en attendant les prochaines questions, je ne sais pas si vous avez des informations complémentaires que vous souhaitez partager aux participants et participantes sur la sociologie.
C'est ça, il y a souvent des gens qui se demandent est-ce que je veux faire psychologie, est-ce que je veux faire sociologie. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment deux modes d'apprentissage complètement différents. Une des particularités du bac, c'est qu'on a beaucoup la possibilité de faire des cours à l'extérieur du département de sociologie. Donc, on peut vraiment élargir nos horizons. Puis, donc moi, j'ai pris des cours de psychologie, de sciences politiques, de philosophie. C'était vraiment cool. Au sein de mon bac, j'ai eu cette possibilité-là. Mais pour avoir pris des cours de psychologie, l'apprentissage, c'est vraiment du par cœur. C'est des examens à choix de réponse et tout. En sociologie, c'est vraiment, on fait beaucoup de lectures, puis après, on écrit des textes. Il y a très peu d'examens. Puis quand c'est des examens, c'est des questions longues, donc ça demande beaucoup de réfléchir. Donc, des fois, ça peut être un piège un peu de vouloir aller en sociologie pour ensuite se rediriger vers la psychologie parce que c'est deux modes d'apprentissage complètement différents. Puis il y a beaucoup de gens qui font psychologie qui après qui font les deux puis qui après décident de passer en sociologie. Mais parce qu'on retient vraiment mieux J'en profite justement pour vous poser quelques questions qui sont rentrées dans le chat. Alors, on me demande, est-il possible de choisir une orientation dans le baccalauréat en sociologie, psychologie? Non, parce que le bac bidisciplinaire est déjà l'orientation, c'est sociologie et psychologie. Donc, puisque vous devez rassembler des cours principaux de deux bacs, vous avez plus de cours obligatoires à réaliser, et ce qui fait en sorte que vous avez moins de marge de manœuvre. Mais vous avez moins de marge de manœuvre dans vos choix, mais en même temps, vous avez deux disciplines, ce qui est déjà très, très, très intéressant. Merci pour la réponse, Barbara. Peut-on devenir psychologue de métier avec formation en sociologie-psychologie? Non. Au Québec, pour devenir psychologue, ça prend un doctorat en psychologie. Et donc, une formation de beaucoup plusieurs années. Et les gens qui font le bac ou la maîtrise en psycho, le bac en psychosociologie, trouvent du travail dans des domaines d'intervention, certes, mais pas en tant que psychologue faisant partie de l'Ordre des psychologues du Québec. Donc, ils ne font pas de la terre. On peut faire de la. Non, ils ne font pas ouvrir un cabinet à leur nom, disons. Parfait. Autre question qui range les analyses en même temps, est-ce qu'il y a un désavantage de prendre l'orientation fondamentale? Non, pas du tout. Si j'avais à m'inscrire aujourd'hui, c'est l'orientation que je prendrais. Moi aussi, j'ai pris l'orientation fondamentale, puis je n'ai pas du tout regretté. Là, je trouvais que c'était très complet. Il faut dire aussi, on parlait tantôt que la sociologie, c'était une science fondamentale, une science qui est comme si c'était une science générale, mais la sociologie a aussi sa spécificité, son regard spécifique. Puis j'ai l'impression que j'ai pas fait les autres. Les autres spécialisations, mais sociologie fondamentale, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus axé sur comme la spécificité de la sociologie, si on veut encore pousser encore plus dans cette discipline-là, puis se spécialiser. C'est plus théorique. Hein. Moi aussi, j'ai pris l'approche fondamentale, puis ça a vraiment été chouette, mais dans le fond, vous n'avez pas à choisir ça dès le début de votre inscription. J'ai l'impression que ça se fait un peu tout seul quand on fait les choix de cours. C'est avant chaque session, on a les cours qui nous sont proposés. Puis on choisit les cours, un, à cause de notre horaire, mais surtout à cause de nos intérêts. Puis là, naturellement, là, si on voit que les cours de sociologie de la santé, ça nous intéresse plus, bien, comme naturellement, on va comme tomber dans l'approche. Oui, puis on apprend à connaître les professeurs, puis on a envie de travailler avec eux. C'est aussi quelque chose qui se passe tout seul. Alors, voilà qui est très complet pour la réponse. On questionne la cote R pour rentrer dans ce programme. Qu'en est-il de la cote R? C'est 22. Annick, c'est bien ça? oui, c'est 22, je pense. Ouais. Donc, parfait. C'est pas une cote très haute, hein, mais il y a une cote. Ouais. Parfait. Donc, très, très utile aussi à savoir. Après, on a une question qui est plus d'une nature géographique, si je puis dire, dans quel bâtiment se donnent les cours de sociologie. Mais étant donné la période actuelle, j'imagine qu'il y a beaucoup de cours qui se donnent en virtuel. Oui, oui. L'hiver, le prochain semestre va être aussi en ligne.
Mais les professeurs de sociologie du département ont vraiment envie d'enseigner. Donc, on essaie le plus possible d'avoir quelques cours. Et donc, on a des formules hybrides pour pouvoir connaître les étudiants. Mais tout est enregistré. Donc, ceux qui sont à l'étranger, qui n'ont pas pu venir, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ont toujours la possibilité de regarder les séances qui sont enregistrées. Avec Jules et Alexandre, on enseigne ensemble et aussi on fait des vidéos qu'on met sur notre chaîne YouTube. Hein. Ah, parfait. Donc, vidéo, on a une chaîne de sociologie maintenant. Mais le bâtiment, c'est Jean Briand, là, si jamais vous avez venir en cours. Merci pour la précision. Donc, c'est une invitation aussi à vous suivre sur les médias sociaux, Facebook et YouTube, entre autres, au passage. Ensuite, on a d'autres questions qui sont rentrées. J'ai vu sur le site Internet que les étudiants en psychologie sont priorisés à ceux en psychosociologie pour l'accès à la maîtrise. Les étudiants en sociologie sont-ils également priorisés à ceux en psychosociologie pour la maîtrise en sociologie? Question qui peut peut-être paraître complexe, mais vraiment, je rappelle la question, les étudiants en socio sont-ils également priorisés à ceux en psychosociologie pour la maîtrise? Pour la maîtrise en sociologie, on ne fait aucune distinction entre le programme de baccalauréat en sociologie ou en psychosocio. Donc, tout le monde, ça prend une moyenne minimale de 3, préférence un peu plus, mais non, il n'y a aucune... Il n'y a aucun problème. Parfait, merci pour cette réponse. Pour le bac français, quelle est la note pour être acceptée? Est-ce qu'on en revient à la même chose que la cote R? Ça, je ne saurais pas dire. Il faudrait demander à la Maison internationale, mais la cote R, elle ne peut pas être calculée à partir de l'école secondaire et du cégep, donc ça ne doit pas s'appliquer au bac français. On a beaucoup d'étudiants, je ne sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vraiment beaucoup d'étudiants français qui viennent, vraiment beaucoup, soit en échange ou qui s'inscrivent. Et donc, ça ne doit pas être si difficile que ça. On les accueille avec plaisir. Bon, voilà qui conclut bien. quelques autres questions qui rentrent. Bonjour, que pouvons-nous prendre comme mineur avec la sociologie? N'importe laquelle. Voilà qui laisse un éventail de choix. Mais pour la petite histoire, moi, je m'étais inscrit dans une mineure en sociologie au départ, puis je m'étais dit, je vais aller faire sciences politiques à l'UQAM après. Puis finalement, écoutez, j'ai tellement aimé ça, j'ai continué au bac, puis après le bac, j'en avais pas assez, il fallait que je fasse la maîtrise. Puis Alexandre est même revenu du marché du travail pour faire un doctorat. Comme quoi, les cheminements peuvent être multiples. C'est un beau partage pour les gens qui nous écoutent. Donc, j'en rappelle, il nous reste à peu près une quinzaine de minutes, ce qui laisse le temps aux personnes qui nous écoutent de poser vos questions. Soyez pas gênés, on est là pour y répondre. Je rappelle que Barbara Thériault est professeure au département de sociologie et aussi responsable des programmes de premier cycle. On a aussi Alexandre Legault, qui est doctorant en sociologie, et Jules Pector-Lallemand, qui est étudiant à la maîtrise en sociologie. Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions qui rentrent. J'en ai une qui, parce que nous, on a un chat. Peut-on devenir psychologue de métier avec la formation? Il me semble qu'on y a répondu tantôt. Hein? Non, on n'a pas répondu à ça. Alors, c'est le temps d'y répondre. Le psychologue de métier, on ne peut pas être membre de l'Ordre des psychologues du Québec sans avoir fait un doctorat en psychologie. Donc, si on fait un bac bidisciplinaire, psychologie-sociologie, on ne peut pas devenir... Il n'est pas impossible, d'après le baccalauréat psychologie-sociologie, de rentrer à la maîtrise en psychologie et éventuellement au doctorat. Mais je ne veux pas créer de fausses attentes. Là, c'est déjà arrivé, mais c'est très, très rare. Hein. Donc, les programmes de psychologie au Québec sont des programmes, sont parmi les programmes les plus contingentés. Hein. Il y a une cote R très élevée. Il y a une très, très grande compétition. Et de passer par le baccalauréat bidisciplinaire, ça peut être une solution, mais ça s'avère une petite porte pour entrer au doctorat en psychologie. Alors, on parle de porte. Après le bac, faut-il choisir un sujet spécifique pour les études supérieures? Ah ben, peut-être qu'un de mes collègues pourrait répondre. Alexandre?
Il faut choisir un sujet spécifique. Tu pourrais parler de ton expérience, comment ça s'est passé le passage du bac à la maîtrise, hein? Ben, je ne sais pas si c'est la seule façon de faire une maîtrise, mais moi, j'ai fait une maîtrise avec, avec mémoire de maîtrise, donc il fallait que je fasse une recherche. Donc, oui, il faut que je choisisse un sujet. Puis c'est assez difficile, mais intéressant aussi parce qu'on a vraiment la possibilité de faire une recherche, aller le plus loin qu'on peut sur quelque chose qui nous intéresse personnellement, qui nous tient à cœur. Donc c'est ça que j'ai fait. Moi, j'ai fait ça sur j'ai fait une recherche sur la bohème contemporaine. J'ai fait une ethnographie en Allemagne de l'Est et à Montréal aussi. Donc c'est ça, là. C'est le genre de sujet que vous pourriez prendre, mais on peut prendre pas mal n'importe quel sujet pour Oui, puis traiter. peut-être que tu pourrais dire, Alexandre, comment, quand tu étais en troisième année, tu as fait un laboratoire de recherche avec moi. Donc, on se connaissait déjà. Tu étais déjà assistant dans mes cours. Et puis, tu avais déjà commencé au baccalauréat à réfléchir à des sujets possibles. J'ai changé beaucoup de fois de sujet aussi. C'est vrai. C'est C'est pas un bon exemple. correct. Mais c'est bon de partager aussi l'expérientiel et les différents Ah, mais attendez, il parcours. faut vraiment que je le dise parce qu'Alexandre a aussi été nommé pour. Le meilleur mémoire de maîtrise au Canada dans la langue française, donc pour son mémoire sur la bohème à Leipzig et Montréal. Donc, c'est pas. Même si ça a pris du temps avant de trouver le sujet, ça a été magnifique comme ça. Alors, comme quoi, ce n'est pas toujours le cheminement qui compte. On a un beau résultat. Félicitations, Alexandre, pour cette nomination-là. Merci. Et puis aussi, j'aimerais dire quelque chose qui est important aussi pour les gens pour vous qui êtes étudiante et futures étudiantes, étudiants, quand on commence à travailler à l'université, c'est important d'être bon dès le début. Donc, ce n'est pas pour créer de l'anxiété, mais les notes comptent. Dès le premier semestre, vos notes comptent. Et quand vous avez des bonnes notes au baccalauréat, vous pouvez avoir des bourses qui sont assez substantielles pour la maîtrise. Et Jules et Alexandre ont tous les deux été boursiers des organismes fédéraux et provinciaux. Et ça, c'est vraiment beaucoup d'argent chaque année que vous avez quand vous avez des notes, quand vous avez un bon projet. Et puis, beaucoup de nos étudiants en profitent. Et ça, on ne le sait pas toujours. Je me suis rendu compte quand on commence le baccalauréat qu'il y a des possibilités de bourses comme ça qui sortent. Peu importe le salaire de vos parents, là, c'est des bourses qui se fondent sur vos résultats au bac et puis sur votre projet de recherche. Merci pour cette précision, Barbara. Une question qui vient de rentrer. Quelle est la cote R pour le programme d'orthopédagogie et est-ce qu'il y a des cours de maths dans le programme? Ah, ben là, il faudrait aller voir la conférence d'orthopédagogie. Exact. En fait, en vous posant la question, j'étais exactement en train de me dire la même chose. Une autre question qui est rentrée, mais il me semble qu'on y a déjà répondu. On nous demande qu'est-ce qu'on peut prendre comme mineur avec la sociologie. Il me semble que c'était n'importe laquelle. C'était bien ça, Barbara? Oui. Mais vous Parfait. pouvez bien sûr faire un choix stratégique. Vous pouvez faire une mineure parce que il y a des choses qui vous intéressent particulièrement et puis vous dites, ah, oh, je vais faire une majeure en sociologie. Avec une mineure en criminologie, parce que je vais faire après une maîtrise ou travailler dans le système judiciaire, policier. En tout cas, mais en tant que sociologue, c'est pas évident, j'avoue. Mais vous pouvez penser à. Vous pouvez avoir un plan de carrière, et puis ce plan de carrière-là peut s'orienter sur majeur mineur. Parfait, merci. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Une autre question qui vient de rentrer. Est-ce que le bac en sociaux a une très grande charge de travail? Ah, ben ça demandait à Jules. C'est pas. Par exemple, moi, j'ai des colocs qui sont dans plein d'autres programmes. Par exemple, j'avais une coloc qui est en droit. Donc, comparé au droit, la charge de travail est moins intense. Ça, on peut se le dire. J'ai un colocataire qui était en sciences politiques. La charge de travail est équivalente. Donc, c'est-à-dire, au bac, je passais pas ma vie enfermée dans ma chambre à étudier, mais ça demande une certaine discipline parce qu'il y a beaucoup de lecture. Il n'y a pas tant de choses à apprendre par cœur, à étudier, mais il faut beaucoup lire. Puis ça, dans le fond, il faut juste s'asseoir à tous les jours. Puis il faut lire à tous les jours. Donc, il faut quand même aimer lire. Mais si vous aimez lire, ça va super bien se passer. J'ai passé mon bac au travers avec des bonnes notes, puis j'ai pu avoir une belle vie sociale, puis un boulot. Puis Voilà un beau partage de Jules, effectivement. Quand on est passionné, j'imagine qu'on ne voit pas nécessairement la charge de travail. ouais, puis c'est aussi une particularité aussi du département de sociologie.
C'est que les étudiants sont, comme vous dites, Angélique, sont passionnés. La plupart des, dans, pour avoir enseigné dans d'autres départements, dans d'autres pays, il y a quelque chose de particulier à la sociologie, c'est que la plupart des étudiantes et étudiants veulent vraiment, ça les intéresse. Ils ne sont pas juste là parce qu'ils veulent avoir des notes ou. Non, c'est aussi, qu'est-ce, le, ça compte, qu'est-ce qu'on est en, ce quoi on développe ensemble pendant les cours, pendant les séminaires. Ça, c'est, pour les profs, c'est super. J'imagine, oui. La passion va dans les deux sens, d'un point de vue étudiant et professeur. Mmh. Autre question, est-il vrai qu'il est plus avantageux de faire son bac et sa maîtrise dans deux universités différentes? Et si l'on change d'université, la transition est-elle facile? Mmh. Est-ce que je réponds? Oui, allez-y, la parole est à vous. Je demandais aussi à mes collègues, Il y a tout un débat là-dessus aussi pour si est-ce qu'on peut faire le doctorat, bac, maîtrise, doctorat dans une même université. Tout est possible. Parfois, on peut recommander ou non. Mais il n'y a aucun problème à changer. C'est bien d'apprendre. L'avantage, c'est d'apprendre à connaître d'autres cultures institutionnelles, d'autres théories, d'autres méthodes souvent aussi, d'autres styles d'enseignement, un autre esprit de la recherche. Mais il y a aussi l'avantage de rester dans la même université. Par exemple, avec Jules et Alexandre, on se connaissait déjà. On savait tous les trois, un peu comment on allait travailler. Les attentes étaient... On avait des attentes qui étaient réalistes. On avait envie de travailler ensemble. Donc, souvent, quand on fait le baccalauréat, on peut avoir envie d'aller ailleurs, de connaître notre université, connaître des nouveaux professeurs. Mais c'est pas mal non plus de rester parce qu'on est dans une culture institutionnelle, on a des amis, on est membre de groupes de recherche. On est tellement bien intégrés que... Ça vaut peut-être pas la peine toujours de changer. Merci, ouais. Barbara. Oui, Hector, Jules, vous voulez quelque chose? Oui, je m'excuse. Oui, mais j'allais dire, c'est presque mieux. Pas c'est mieux, mais il n'y a aucun problème à faire son bac et sa maîtrise dans la même université. Là. Je ne pense pas qu'il y ait d'employeur qui regarde ça et qui dit « Ah, cette personne-là est restée à la même université dans ses pantoufles. » C'est pour le bac et la maîtrise, c'est la très grande majorité des étudiants en sociologie, pas juste à l'UDM, ils font leur bac et leur maîtrise dans la même université. Merci pour la précision, Jules. Une autre question qui est rentrée. Il nous reste tout juste 5 minutes. Alors, si vous avez des questions, il est le temps de les poser. Je vous invite à le faire dans le QR. Question-réponse. Le programme demande-t-il de faire des présentations orales? Oui. Pas dans tous les cours, pas dans les miens. Mais dans la plupart des cours, dans certains cours, oui. Pas tous les cours, mais oui. Si vous êtes, parfois, il arrive que des personnes extrêmement anxieuses, nerveuses, on peut trouver une façon d'accommoder. Mais oui, dans certains cours, il y a des présentations individuelles ou en groupe. Moi, je pense que pour mon bac, j'en ai fait une dizaine environ. En 3 ans? Oui. Moi, je pense que c'est encore moins. Je vais en avoir fait en 3 ans, peut-être 3 ou 4. Là. Pas beaucoup. Mais c'était pas des longues. Juste, t'en rendais pas compte, t'en faisais. Vous avez oublié de les compter, Jules. Peut-être que c'est ça. En fait, on parlait de passion tout à l'heure. On va rappeler ça à ça. Donc, il nous reste tout juste 5 minutes. Je n'ai plus de questions dans le chat. Donc, je rappelle que Barbara Thériault est professeure au département de sociologie et responsable des programmes de premier cycle. Nous avions aujourd'hui en notre compagnie aussi Alexandre, qui est doctorant en sociologie, et Jules, qui est étudiant à la maîtrise. On vous invite à visiter les différents kiosques, et notamment celui de sociologie, qui est disponible aujourd'hui sur notre plateforme virtuelle jusqu'à 16h. Vous êtes chanceux, je vous le disais tantôt, de 15h à 16h, il y a une séance Zoom qui est prévu. Pour en savoir plus sur la sociologie, Barbara sera présente en compagnie d'une étudiante en sociologie. Alors, on vous invite à aller dans cette séance Zoom si vous avez d'autres questions qui vous popent au courant de la journée. Vous pouvez aussi visiter le site de sociologie, c'est socio.umontréal.ca. On parlait tout à l'heure que vous avez une toute nouvelle chaîne YouTube et aussi une page Facebook. Alors, que de plateformes pour vous suivre et s'intéresser à la sociologie. Merci beaucoup. On vous parlait aussi que cette conférence était enregistrée à partir de la semaine prochaine. Elle va être disponible, ainsi que toutes les autres conférences qui sont données aujourd'hui, sur le site de l'admission de l'Université de Montréal, dans la section
événement virtuel. Je crois ne rien oublier pour aujourd'hui, si ce n'est que de remercier nos participants et participantes d'avoir été parmi nous. Ce fut vraiment très inspirant de part et d'autre, en votre compagnie, Barbara, et en compagnie d'Alexandre et Jules aussi. Alors, on espère vous compter parmi les futures communautés étudiantes en sociologie de l'Université de Montréal et cette grande famille. Merci beaucoup à tous et toutes. Merci Barbara, merci Jules, merci Alexandre et merci à ceux qui nous ont suivis. Et au plaisir, n'oubliez pas, jusqu'à 16h, visitez-nous sur la plateforme virtuelle. Bonne journée. Bye.